C'est ton truc et moi je Bonjour tout le monde, bienvenue à mon chaîne sur YouTube. Je vais faire une vidéo en français aujourd'hui parce que je suis venue à Cannes chez mes amis pour réparer les jantes de la Porsche parce que quelqu'un, je sais pas qui, a conduit mal. Et donc je dois faire la réparation de la jante. Comme vous avez vu, peut-être la vidéo que j'ai mis avec le Ford GT, c'était de cette garage. Et je vais vous montrer ça ici aujourd'hui. Et aussi il y a d'autres voitures, je vais vous expliquer un peu ce qui fait le garage ici. Et aussi comment il fait les réparations de jantes, parce que pour moi c'est intéressant, c'est la première fois que j'ai vu. Et aussi normalement il prend quelques jours pour le faire. Normalement il prend quelques jours pour le faire, les réparations de jantes. Et aussi pour faire le travail de carrosserie avec les peintures et tout ça, il faut quelques jours normalement dans le garage normal, mais ici ils le font dans quelques heures. Donc. Maintenant, je suis avec le expert detailer. Bonjour. Pour vous montrer ce qui, une chose qu'il fait ici. Les avantages. Les avantages de faire une céramique sur la voiture, oui? Sur la carrosserie. Donc sur ce capot, on a des essais de plusieurs céramiques. Donc qu'est-ce que ça va faire? Ça va rajouter de la brillance. Donc aujourd'hui, avec les laboratoires Rocoat, on peut fournir sur les carrosseries une céramique qui s'appelle 9H. Donc ça, c'est la durabilité. Super slick. Super slick, ça veut dire super doux, super déperlant. Et ça, aujourd'hui, c'est le top sur le marché. I'm just gonna turn because the light's not great near. Ah, okay. Better. Yes, you may continue. Donc c'est une céramique qui est appliquée en 2 couches minimum. Et ensuite, on a une garantie presque à vie de la céramique. Ensuite, si on la maintient correctement, si on fait le lavage approprié, qu'on ne va pas au rouleau souvent, eh ben, la carrosserie elle reste tout le temps propre, elle reste tout le temps déperlante et elle reste très brillante. Cool, merci beaucoup pour votre expertise. Je vous en prie, au plaisir. Ok, donc depuis... Ok, on va prendre les deux ici. Oui. Pour faire un exemple. Voilà. Comme vous savez, c'est quel est... Ok, donc entre les deux ici, comment vous savez quel est Je peux vous dire qu'ici, celle-ci est meilleure parce que l'évacuation de l'eau est beaucoup plus rapide. Ici, si on regarde bien la caméra, en fait, l'eau reste sur la carrosserie alors qu'ici, l'eau, elle est tout de suite évacuée. Donc ici, cette céramique est beaucoup plus dure, beaucoup plus performante. Donc ça, c'est les dernières technologies qu'on peut vous fournir. Cool, merci beaucoup. Je vous en prie. Je dois sortir un peu parce qu'il y a beaucoup de bruit dedans parce qu'il travaille. Mais je vais vous expliquer un peu ce qu'il fait ici parce que après ça va être un peu difficile. Donc ils font le gardiennage, les questions, carrosserie, travail, peinture, réparation de jantes, mais réparation de jantes très rapide. Et Mathieu, Luxury Car Services, mon ami, il a réussi un concours à France pour être le premier en peinture à main pour les voitures. Et je vais vous montrer. No. So I'm gonna show you. Fucking French. I'm gonna show you guys the concours. Here we go. Ça, c'est le Alec Monopoly de France. Ok.
un peu, qu'est-ce que tu fais? En fait, là, on met du mastic. C'est quoi? Du mastic. Mastic, ok. En fait, c'est pour combler les imperfections de la jante. Là, les trous, il y en a là, là. Ok, ok, ok. You don't need to make it so obvious. Cool. Il y a juste un petit là, et c'est juste un. Oui, oui, juste un. Oh, le coffee or something? No, I'm fine, thank you. On a dû attendre un peu pour le mastic à sécher un peu. Et maintenant, on va le laver. Et après, il va faire la peinture. Hello, face. Come into focus. OK. Donc, another word for donc. Insert. Pendant que j'attends qu'il termine le jante là, yeah. Je vais vous montrer un peu le AMG G63 Mercedes parce que pourquoi pas. I don't know how to press stop on this. Attends, filme pas. si quelqu'un veut voir dédication, non, bien. Il mange en même temps qu'il travaille. Et s'il y a quelqu'un qui dit que les mecs ne peuvent pas faire deux choses à le même moment, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Black. Mais c'est quoi le liquide? Mais c'est de la peinture. Oui, mais comment tu vas le faire mat? Ou c'est déjà mat? C'est le vernis qui est mat. Qui? Alex.
Ça c'est toi ça. Oh là là, ouais. Deux. Oh là là, qu'est-ce que t'as fait? Attends, je vais le faire. J'aidais pas avec cette jante. Attends. Tiens. Ouais, tu dois faire le. Yeah, fucking man, I'm in bitch, man. Your parents are with. And noir, black. Black mat. En anglais, noir mat. Oui, mat black. Mat black. Mat black. So, il avoue, l'expert, il avoue que les porte-lunettes, porte-soleil, les lunettes de soleil, lunettes de soleil, elles sont pourries. Oui. Oui, ok. Donc il a offert le traitement. Oui, exact. Traitement céramique sur les lunettes. Traitement céramique, ok. On y va. On va faire un nettoyage. Je vais vous en soigner aussi parce que je crois que c'est les premières fois. On va faire un. Ça, c'est le garage qui fait tout le travail, voilà. Différents types de travail, depuis les lunettes de soleil, aux jantes, gardiennage, carrosserie, oui. Tout ce produit-là pour toutes les choses, tous les travaux. Donc, le travail commence avec un peu de nettoyage. Oui. Oui. Dégraissage. Dégraissage, ok. Voilà, dégraissage et ensuite préparation pour le traitement hydrophobe sur les lunettes. Super technical, guys. Ok, so maintenant on est prête à travailler. Voilà, on va appliquer le Rockout Multi Protect. Multi Protect, c'est pour toutes les surfaces et ça dure très longtemps. Donc mais c'est pas juste pour les voitures. C'est pour toutes les surfaces. Ok. Toutes les surfaces, vitres, carrosserie, Chanel porte-lunettes, métal, okay. Voilà tout ça. Sauf le plastique. Ok, sauf le plastique. Rubber, le plastique. Oui, oui, c'est bon, ça c'est bon. Ok. Ok. Voilà. Cool. On applique le traitement et on laisse sécher quelques minutes. Mm-hmm. Et ensuite, on essuie. Ok. Donc là. Okay, wait, yeah. Okay. Explique. Donc voilà, là, je prends la lunette et je fais juste un essai avec le doigt. Je vois que ça commence à sécher. Mm-hmm. Mm-hmm. Voilà. Donc je prends une autre microfibre neuve, mm-hmm, et j'essuie gentiment la surface jusqu'à ce que le produit disparaisse. Et ensuite, la protection est appliquée sur les lunettes. Et maintenant, c'est nettoyé complète. Voilà, là, c'est bon. Protégé. 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 Okay. Protégé means, ça veut dire anti-salissure et facile à nettoyer. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, s'il te plaît, mets un like et un commentaire si vous voulez. Si vous n'avez pas s'abonné encore, s'il te plaît, s'abonne ici, subscribe. Merci beaucoup et au revoir. Fuck, never gonna learn how to finish these videos, okay? Si quelqu'un sait, just need to stop talking.